On va dire la Hongrie est favori. Oui, tout à fait, ouais. Belle génération. Génération de jeunes. Ils ont retrouvé l'égalité numérique. Là, il check, on n'en a pas profité, mais il garde le ballon et il y a toujours cette possibilité de prendre 2 buts d'avance. Avec ce tir de loin qui a été contré. Oui, c'est vrai que l'arbitrage féminin. Bah, de plus en plus présent dans les compétitions nationales mais surtout aussi internationales. Je pense que la fédération européenne et internationale souhaite vraiment développer l'arbitrage féminin. Et vous verrez surtout des binômes féminins, des binômes mixtes beaucoup moins. Il était vicié ces joueurs hongrois. Oui, les belles passes au pivot qui étaient en ce qu'on appelle en 4 positions, bloquées, qui prenaient appui sur son défenseur et. Avec sa main, demander la balle dans l'espace libre. C'est Zolt Radwanski, le numéro 26 hongrois, qui ramène son équipe à 3 buts. Saka pour la République tchèque en rouge. C'est beau ça. Et 8. Oui, la République tchèque, elle joue concrètement sa chance. Avec ce numéro 6 là qui est brillant.